Alors la compagnie La Tarbasse, elle est en résidence ici à la MJC La Châtre. C'est la deuxième session de résidence pour le spectacle Bi, pour lequel je suis en création depuis, ça va être la cinq ou sixième semaine. Donc on a une mise à disposition de la salle par la MJC. Et donc c'est dans cette salle-là qu'on travaille, qu'on peaufine l'écriture chorégraphique, la musique. C'est un spectacle en fait qui parle de danse, mais aussi de musique. Donc, je travaille sur la pulsation, le rapport à la musique, la vibration intérieure. C'est un trio avec trois garçons. Donc il y a un musicien en live et deux danseurs. Je me suis lancé un gros défi sur le décor. Et c'est vrai que le décor m'est arrivé petit à petit dans la création. C'est-à-dire qu'à la base, je pensais que c'était juste un petit plateau très simple sur lequel allaient être posés les instruments de Morgane. Et puis finalement, de fil en aiguille, de répète en répète, on a compris que le plateau avait vraiment un sens à lui aussi. C'est-à-dire qu'ils ne sont finalement pas trois, mais ils sont quatre, parce qu'il y a le plateau qui prend aussi énormément sa place et qui a un sens incroyable dans la pièce. À un tel point que maintenant, le créateur Lumière choisit en fait d'élaborer le plateau pour la lumière qui va être créée la semaine prochaine. Allez, là, ça court, ça court, ça court! Vas-y. J'ai réfléchi à ce spectacle en imaginant ce spectacle qui serait joué dehors. Les gars, ils jouent avec les gens au niveau du regard, devant, côté, derrière, partout. Et j'ai envie en fait qu'il y ait une émergence comme ça, musicale, dansée, dans la rue, pour les gens. Enfin, j'imagine toujours un mec qui passe, qui entend un bruit, je dis, tiens, c'est quoi? La curiosité fait que je vais vers le spectacle. Et voilà, je me laisse surprendre par ce qui se passe, c'est un peu la magie du spectacle, quoi. C'est pas forcément attribué à qu'un certain type de personne. J'aimerais que ça appartienne à tout le monde. Il y a quelque chose d'assez intuitif au final, du coup, dans cette notion d'improvisation. Alors là, il y a des parties improvisées et des parties écrites, mais l'improvisation, du coup, c'est pour moi, ça donne sens à un acte qu'on va faire, que ce soit en musique ou voilà, parce que c'est maintenant, on le fait parce que ça vient là, quoi. Moi, c'est ce qui me parle souvent dans le spectacle vivant, quoi. C'est les choses qui sont spontanées, du coup, qui les rendent. Moi, je trouve plus juste. Il y a vraiment des moments, des points de rencontre en fait qui n'étaient pas prévus, et on se dit ah bah, mais en fait si, c'est ça que ça marche. La magie de la rencontre, de l'instant présent, de l'interaction entre les corps, entre le son, entre tout ça, qu'on maîtrise plus ou moins des fois. Et ouais, là, il y a un côté musique. J'aime la matière brute, j'aime la générosité. Et j'aime l'humain, partager. On dialogue beaucoup. J'ai besoin de savoir comment ils sont et comment ils vont donner. J'ai pas besoin trop de cérébral. J'ai besoin aussi de... On y va, et je sais qu'ils vont y aller, en fait. Il y a une espèce de matière où on rentre directement dans la matière, on se pose pas de questions, on y va. J'aime bien ce côté-là, en fait. De pas trop réfléchir, d'y aller. Et puis on refait, on essaye. On est un peu des ouvriers. On est un peu des ouvriers du spectacle, je trouve. Et donc, du coup, dans ce sens-là, j'ai besoin de danseurs qui fabriquent, qui proposent, qui sont physiques et qui n'ont pas peur de réessayer 1, 2, 3, 200 fois. Physique dans le sens, j'aime bien les chutes au sol, j'aime bien les sauts, les explosions, le râle, la sueur, le contact, la fouah, j'aime bien que ça m'arrive comme ça. Et ça n'empêche pas la poésie ni la douceur, hein. C'est juste que j'aime ça, j'aime ce chargement, j'aime cette, je sais pas, ça me rappelle que je suis vivante, ça me rappelle que j'aime les choses qui m'arrivent, quoi. Au niveau de la peau, au niveau de l'oreille, au niveau des yeux. Je suis comme ça, je sais pas. On entend danser.